sur l'ensemble du match, je pense qu'on va retenir la force de caractère de l'équipe. Parce que première mi-temps, on fait une très belle première. On se fait égaliser, on prend un but un peu contre le cours du jeu à la toute fin de la, première mi-temps. On aurait pu baisser la tête, mais non, on a montré notre force de caractère. On est revenu en deuxième mi-temps avec les bonnes intentions. On égalise. On a les occasions pour mettre le deuxième, mais on se fait encore punir un peu contre le cours du jeu 2-1. Et on pousse, on a encore montré du caractère et c'est ce qu'on va retenir, parce que revenir deux fois dans le match comme ça, les gars, franchement, enfin, félicitations à toute l'équipe, parce que c'était pas facile, mais on a montré un beau visage. C'est sûr que dès qu'il y a une occasion, ça serait bien de marquer, mais on peut pas tout mettre non plus, mais il faudrait être un petit peu plus réaliste dans les deux surfaces. Après, qu'on se crée des occasions, c'est plutôt de bonne augure par la suite, ça veut dire qu'on joue bien, on arrive à aller vers l'avant devant le but de l'adversaire, donc c'est le principal. Après, ça va finir par rentrer et on va en mettre plus. On va être nul aujourd'hui pour commencer. On pourrait presque dire que vous pouvez avoir des regrets sur ce match-là. Oui, on peut avoir que des regrets. Mais on a bien réagi, ça c'est important. Être mené deux fois, être revenu deux fois au score, je trouve que c'est super important. Après, en plus, c'est des petites erreurs que nous on fait sur les deux buts, pour moi, je trouve, qui doivent se corriger au fur et à mesure. Et puis malgré tout, transformer. On fait aujourd'hui deux barres transversales, ils en font une, elle est rentrante, moi c'est toutes les deux sortantes, qu'est-ce que vous voulez, ça s'équilibre pas. Et après je pense que voilà, on a fait une très grosse deuxième mi-temps, chose qu'on n'avait pas réussi à réaliser la semaine dernière contre Cherbourg. Et comme je l'avais dit, nous c'était aujourd'hui que c'était important et je pense qu'on a prouvé aujourd'hui qu'on était quasiment prêts, quoi. Cette saison, nous on va continuer à travailler parce que comme vous avez pu voir quand même, on a quand même beaucoup joué aujourd'hui. On a quand même beaucoup de phases de jeu avec le ballon. On n'a pas trop, oui, par moment, comme toutes les équipes, on met un petit peu par-dessus. Mais on est dans la continuité de ce travail. Et puis ce qui peut nous faire mal, mais bon, la semaine prochaine, on va aller faire un match amical contre Douvres. Une R2 qui joue la montée, donc ça va nous garder le rythme. Mais c'est vrai que là, ce mois de septembre, début octobre, va être compliqué dans le sens où tu fais un match de championnat tous les 15 jours. C'est vraiment pour ça que je disais que la semaine dernière, c'était pas normal d'avoir ce type de match dès le premier tour. C'était pas normal, c'est pas très logique sportivement. Donc on sait ce qui en est. Hein. Donc, mais non, la continuité, nous, c'est travailler. On travaille beaucoup aux séances d'entraînement. Hier soir, on était quand même 25 joueurs. Donc, qui dit 25 joueurs, ça veut dire qu'ils sont présents, ils sont contents d'être là. Et voilà, quoi. C'est pour ça aussi que je suis content parce que ça récompense aussi le travail fait depuis le début août. Quoi. Donc, c'était important de ne pas perdre aujourd'hui. Déjà un match difficile, on sait que c'est une équipe qui apporte beaucoup de jeux directs dans l'engagement aussi. Le match nul est mérité, de mon côté c'est ce que je viens de dire aussi aux garçons parce qu'ils ont aussi deux barres, il ne faut pas l'oublier. Il y a peut-être aussi un fait de jeu qui est très litigieux, mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Maintenant, il faut aussi savoir des fois ne pas perdre et je pense que les garçons ont répondu avec du caractère et en tout cas le nul est encore une fois mérité. Sur une première, forcément, on a aussi, nous, en tant qu'équipe réserve, quelques redescentes. On a un effectif qui n'est pas toujours au complet parce qu'il y a, comme je l'ai dit, des redescentes, des joueurs qui peuvent remonter. Voilà, nous, on est une équipe où on va être sur le développement aussi du joueur, de les accompagner au maximum, qu'ils puissent et performer en R1 parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas toujours joué en R1 et de pouvoir permettre à certains d'aller chercher le niveau national. Donc ça sera une année de transition pour l'ensemble du club et des jeunes. Donc voilà, on va se projeter avec nos ambitions, nos idées. Et on fera en sorte de toujours respecter le maillot pour remporter un maximum de matchs.